Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai désinstallé Gmod. J'ai plusieurs réponses à vous donner à ce sujet. Pourquoi j'aime plus Charismode, du moins le Dark RP. Je me suis lassé, tout simplement. Faut dire que quand on passe 839 heures sur le jeu, j'ai pas non-stop, hein, mais voilà, ça fait un an. Un an que je fais que du Charismode. Un an, donc 839 heures, ce qui correspond à énormément de jours. Même peut-être un mois, j'en sais rien, de toute façon. Je maloptis, lag, à cause d'addons téléchargés au fur et à mesure. Car oui, je lag sur Garry's Mod à partir de... de longtemps, en fait. De une, parce que le jeu est maloptis. En même temps, le jeu, il peut pas être optimisé parce qu'il est trop vieux. Deux, parce qu'on, à force d'aller... Ta gueule. Deux, parce qu'à force d'aller sur des serveurs, forcément, on télécharge des centaines, voire des milliers... Ah, peut-être pas des milliers, non. D'addons. Ce qui fait que ça rembourre notre PC comme pas possible. Ce qui me fait que ça lag énormément. Donc c'est aussi pour ça que je les installe. La communauté et le RP. Car oui, la communauté sur Gmod est maintenant devenue incontrôlable, elle est insoutenable. C'est horrible. Enfin, de mon point de vue à moi, de mon côté, de ce que j'ai vécu, c'est horrible. Entre les admins qui abusent de leur pouvoir, entre les kikous qui commencent à faire trop les malins, hein, je vous ai vu, hein. Le RP qui n'est pas respecté, alors ça c'est... Depuis, car oui, alors je vais pas citer de youtubeur, mais depuis que des vidéos sortent sur Garry's Mod, depuis que c'est venu à la mode, des youtubeurs sont amusés à faire un peu n'importe quoi sur Gmod, et forcément la communauté, surtout les plus jeunes, étant donné moi, ou plus jeunes, s'amuse à reproduire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent les gens pour des cons, ils font n'importe quoi, ils justifient pour un rien, pff, ils respectent aucune règle finalement. Moi de mon point de vue, à chaque fois que je rejoignais un serveur, 80% des cas le serveur était déjà pété dès que j'arrivais, tu vois. Alors moi qui y arrive en plus, qui faisait un peu plus la merde, ça part en couille. On peut pas faire des choses. Il est impossible d'essayer de faire un truc tranquille sans qu'un connard passe et te tue les règles. Car oui, sur les serveurs, il y a plein de règles qui sont évidemment pas respectées. Et là, on rentre encore dans le sujet. Les prop skills, interdit de flouder le chat, etc. etc. On s'en bat les couilles, frère. Tu peux mettre ça dans le chargement, tu peux mettre ça dès que tu spawns, tu peux mettre ça sur les voitures, tu peux mettre ça sur le skin, tu peux l'intégrer même au personnage lui-même. Il ne sera jamais respecté. Ça sert à rien. Car si un abonné d'un grand youtubeur veut faire ça, parce qu'il l'a vu, il va le faire. Il n'y a pas de question à se poser. S'il veut prop skill parce qu'il l'a vu dans une vidéo, il va le faire. Règle ou pas, il va le faire. Il s'en bat les couilles, les mecs. Il va se faire bannir. Il s'en fout, il y a des millions de serveurs qui existent. On n'y peut rien. Abus de pouvoir. Car oui, il y a énormément d'admins qui profitent
de leur statut pour faire n'importe quoi. Par exemple, imaginons, le mec prend une voiture, l'admin prend une voiture, il écrase un mec, le props qu'il est interdit sur le serveur. Je suis l'admin, tu vas pas commencer à chercher la merde. Si tu continues à me faire chier, j'ai de ban. Voilà. Alors, c'est pas présent sur tous les serveurs, mais il y a des serveurs où ça arrive, malheureusement. L'abus par l'âge. Car oui, car, je veux dire car tout le temps, ornicaire, bah oui. Les personnes plus âgées, entre 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans. Quand t'as des mecs entre 15, 19 ans, 18 ans, 17, j'en sais rien. Je dis ça à une tranche d'âge comme ça, vous voyez. Mais genre les mecs qui ont une voix muée, comme moi, ils abusent vraiment. Parce que quand tu vois des petits mecs qui ont une petite voix, qui ont 10, 11 ans, et qui essaient de faire comme le blédard, imiter la voix ou autre, ils s'en prennent plein la gueule. Forcément, ils essaient de faire un peu les malins. Et c'est vrai que, bon, je suis pas le seul à les remettre en place quand il faut, hein. Quand tu vois un petit qui essaie de te faire la raison, qui te dit mais t'as pas lu les règles, et toi t'as envie de répondre, mais ferme ta gueule là, pyjama de merde, tu vois, un truc comme ça. C'est con, c'est ce qu'on fait tous, hein, on va pas se le cacher. On a tous une haine envers ceux qui ont une petite voix, on va pas se le cacher, hein. Même pour ceux qui ont 16 ans et qui ont encore une petite voix, voilà, ça arrive plus tard malheureusement. Mais bon, ça c'est la puberté, on n'y peut rien, hein. Malheureusement, ça sera jamais respecté. Donc j'appelle ça de l'abus d'âge. L'abus d'âge. On est d'accord, quand un petit de 12 ans, 10 ans essaie de te dire quoi faire, t'as pas envie quoi, tu te dis putain, moi j'ai une voix plus grave que lui, j'ai plus d'expérience dans la vie, excusez-moi monsieur, mais il a rien à me dire. On a tous ce petit côté, on veut pas se faire marcher sur les pieds, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai expliqué pourquoi j'aime plus Garry's Mod. Voilà, maintenant on va passer au deuxième chapitre de l'histoire. Pourquoi vouloir changer de contenu? Tout simplement car je veux me diversifier, faire du nouveau. Je ne veux pas me baser sur une communauté Gmod. Ah, moi je suis là pour du Gmod. Ah, je m'en fous de sa vidéo sur Retruck Simulator, sur Splinter Cell, etc., etc. Voilà, bon, moi c'est ce qui m'arrive en ce moment. C'est-à-dire que là, je suis arrivé à un stade où avant je faisais du... Par exemple, je prends un exemple, hein, de 10 à 20 000 vues sur une vidéo Garry's Mod à 1000, 2000 vues sur une vidéo sur un autre jeu. Et je fais que ça en ce moment. Et j'y reviendrai juste après. Ne vous inquiétez pas. Toucher une autre communauté. Car oui, je veux... Car pourquoi... Il faut que j'arrête avec les cartes, ça va me péter les couilles. J'essaye de toucher une... Ta gueule. Je veux toucher une plus grosse communauté. Qu'elle soit mineure ou majeure, j'en ai rien à foutre. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais voilà, avec une bonne maturité, qui peut rigoler sur des vidéos autres que Gmod, sur des vidéos par exemple sur Splinter Cell. Je me suis éclaté. J'ai fait ça en stream, c'était un truc de fou. D'ailleurs, encore merci à ceux qui étaient là. C'est un truc de fou. Je vais essayer de faire du GTA 5 dans pas longtemps. Dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque Steam, je compte environ plus de 100 jeux. Il n'y a pas que Gmod. J'ai une centaine de jeux et j'aimerais vous faire partager plus de ces centaines de jeux. Bon, pas les centaines. Pas la centaine de jeux précisément. Mais un maximum de jeux qui peut être fun à faire, que je peux faire tout seul ou avec Lilian. Ça peut être super cool de vous partager ça. Et pour moi, faire des vidéos sur d'autres jeux être plus bénéfique pour moi qu'une vidéo sur Garry's Mod et me faire chier. Car oui, j'ai oublié de mettre ça, parce que je me fais chier au montage avec Garry's Mod. C'est horrible, j'ai plus la même passion du montage avec Gmod qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je montais un épisode, je coupais, j'étais content, je faisais ah lol, j'ai dit cette blague, oh j'ai dit caca lol. Alors que maintenant, enfin genre avant d'arrêter, j'étais en mode je coupe, super, j'ai dit caca, super. Ah, on fonce dans quelqu'un avec une voiture. Super. Tiens, on encule l'admin. Super. Voilà, c'était barbant. Et maintenant, quand je me vois, quand je fais une vidéo sur un autre jeu, et bah je sais pas, je retrouve plus la panache et tout. Je sais pas comment dire, mais voilà. Le montage est présent, j'ai envie de monter ça parce que je suis impatient, parce que c'est un nouveau jeu que j'ai jamais fait sur la chaîne, et j'ai envie de monter ça et de vous montrer ça et vous faire rire. Parce que c'est important de faire rire les gens. Vous faire, du moins essayer, rire autre que sur Dark RP. C'est pareil, je veux vous faire rire. Par exemple, on prend un jeu tout pourri tel comme Animal Crossing, je vais essayer de tourner ça à ma sauce et vous faire rire dessus. Voilà, c'est un exemple. Comme Splinter Cell, c'est un vieux jeu. J'ai kiffé faire la vidéo, j'ai bien rigolé. J'ai rigolé à la montée, on s'est éclaté, c'était un truc de fou. Ça vous a plu en partie. Voilà, c'est un bon exemple, je pense. Bon, on va passer aux quelques questions qu'on pourrait se poser aux tout nouveaux arrivants ou personnes qui sont là depuis longtemps, mais qui disent, voilà, qui sont curieux. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Tristan,
Mon pseudo donc c'est AfterGamer49, donc j'habite à Angers dans le 49. Je suis passionné de jeux vidéo depuis tout petit, hein. Je portais des couches quand j'y jouais, hein. J'étais en fou dans les petites tuniques. Ah, j'étais coupe salade. Comment je me suis lancé sur YouTube, c'est ma mère qui m'a lancé dedans, hein, on va pas se le cacher. Oui, c'est ma mère qui m'a lancé dedans. C'est ouf, hein. Je me rappelle, c'était en été. En été, il faisait beau, il faisait chaud. Moi qui m'ennuyais chez moi sur mon vieil ordinateur blanc des années 1980. J'ai découvert la plateforme de YouTube alors que je n'avais que 11 ans. J'ai découvert Monsieur le V12, DiabloX9, tous d'autres youtubeurs. Et les Minecraftiens. Je suis passionné, j'en parlais tous les soirs à ma maman quand on mangeait. Et ma maman en avait tellement marre de moi qu'elle m'a dit: fais pareil, lance-toi fils, parle de tes propres œuvres en pixels. Par contre, ils font chier dehors à crier là. Mes intérêts donc est de vous faire rire. Parce que j'adore l'humour. Hein. Moi je suis quelqu'un. Quelqu'un. Hein. Oh lol. J'ai envie de vous faire rire. C'est l'important. C'est l'impression que je veux donner. Je veux être quelqu'un d'humoristique car je suis. Sachez-le, car je suis quelqu'un de très timide dans la vie réelle. IRL, je suis quelqu'un de très timide. J'ose pas aller vers les gens. Du coup, ce qui fait que je rencontre personne. Je me fais pas beaucoup d'amis. Bon, j'ai les meilleurs, ça c'est clair. Eh, les poteaux, tu les as pas oubliés, hein. Voilà, donc c'est ma manière à moi de montrer mon côté caché, comme maintenant. Mais si je vous voyais, genre, imaginons que je vois 12 000 personnes devant moi, je vais dire: what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est plutôt drôle. Et du coup, ça me permet de me divulguer sous ma vraie nature sur YouTube, tout simplement. On va passer à une petite FAQ des questions. Les plus marquantes qu'on pourrait se dire ou qu'on pourrait poser à l'heure actuelle. Penses-tu faire un jour des titres putaclic? Alors déjà, on va revenir à la base du sujet. Qu'est-ce qu'une putaclic? Qu'est-ce qu'un titre putaclic? Je vais avoir besoin de Google pour m'aider, hein. Le putaclic est tout simplement une vulgarisation de l'expression incitive clic ou incitation au clic en français. Voilà, en gros, on incite le mec à cliquer. Il y a plusieurs exemples sur le site, par exemple, un chimpanzé est remis en liberté, sa réaction est juste incroyable. Voilà, ça c'est un titre putaclic. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai reçu 2-3 commentaires disant: ouais, ton titre putaclic, il fait chier là, le tortant qu'il est pas dans le TGV, tu prends même pas le TGV, connard. Car pour moi, tout simplement, dans la vidéo, je pensais pas du tout que ça allait vous choquer autant en fait. Pour moi, le titre, je cherche pas à faire un titre putaclic, hein. J'ai fait un petit scénario dans ma tête. Dans la vidéo, en fait, on cherchait un tortank. On est en même temps à côté des rails de TGV et tout. Le TGV y passe, une porte est ouverte. On se dit: oh, la porte est ouverte. On cherche un tortank, il est pas là. Pour moi, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit: oh, on va imaginer un petit scénario, ça va être marrant dans le titre, ça va faire un petit jeu de mots, enfin, ça va faire un petit truc rigolo, le machin, il a pris le TGV, il s'est barré, du coup on l'a pas eu. Mais il y en a que ça a pas du tout plu. Et c'est là que j'ai mal joué mon rôle, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'à moi-même, je me suis pas mis à votre place. Je me suis pas dit: ah mince, je pensais qu'il prenait le TGV, hein, quel fils de pute, en plus il dit qu'il est un tortank alors qu'il n'en a pas, etc. Et moi j'avais pas pour but de vous faire croire un titre mensonger. Ensuite, pour répondre à la question, donc oui et non. Alors là vous allez dire: quoi, tu vas en faire, fils de pute? Parce que la putaclic, il y a deux cas de figure. Il y a le côté argent, car il y a le mec qui met des gros titres pour que le mec clique. Pour faire une vue, pour ramasser plus d'oseille, et il y a le titre, et il y a l'autre figure qui est tout simplement d'attirer de nouveaux spectateurs comme moi, qui essaye de réunir une communauté différente que celle de Gemon. Alors là, on va rentrer dans un débat, attention, hein. Mais After, tu le fais pour l'argent? Tout simplement, vous avez, parce que les personnes qui disent ça, du coup, que je fais un titre putaclic pour l'argent, c'est impossible que je le fasse pour l'argent. Il y a juste à regarder ma chaîne YouTube. J'ai eu la chance de passer partenaire avec BBTV, donc Broadband TV. Ah, je crois que j'ai mon accent anglais est dégueulasse. Maintenant, j'ai la chance d'être rémunéré par le biais des vidéos, par vous, par vos vues, etc. Et là, du coup, vous allez dire: mais du coup, tu le fais vraiment pour l'argent? Encore une fois, non. Parce que si je le fais pour l'argent, je suis passé récemment. Hein. C'est-à-dire, c'est nouveau, ça fait un mois, quoi. Un mois ou deux, tu vois. Parce que j'ai dit ou pas. Et il y a un mois ou deux, j'avais arrêté de faire du Gmod déjà. Donc voilà, si je voulais faire ça pour l'argent, j'aurais fait que des vidéos Gmod, et je crois que je l'avais déjà dit ça. Parce que vous voyez, ça fait 10, 20 000 vues. Là, je passe à du contenu que je veux faire, donc je fais du 1000 vues, etc. Voilà, c'est moins impressionnant. Je gagne moins d'argent, mais moi je m'en tape. Je veux juste vous montrer ce que j'aime. Faire du montage, c'est ma passion, hein, faut pas l'oublier. Et pour vous dire... mon salaire de youtubeur, je vous le dirai pas, mais je vais vous faire une approximative. Le prix d'un pain au chocolat. Ouais, on va pas se le cacher. Sachez que je ne gagne pas beaucoup d'argent.
si je gagne cet argent, c'est pour le futur matériel que je prévois de m'acheter. Mais là, pour le moment, je suis très loin. C'est beaucoup, beaucoup trop loin de l'objectif que je m'étais fait. Mais c'est pas grave. Moi, j'expose ce que j'aime, de ce que je vais faire plus tard. Peu importe que je peux gagner. Si je peux seulement vous faire rire, ça me va, tout simplement. Et avoir des commentaires possibles. Parce que... Vas-tu refaire du Dark RP un jour? Pour le moment, non. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être que j'aurai envie de réinstaller le jeu, qui sait, je sais pas. Et que j'ai envie de refaire une petite partie des familles sur Garry's Mod. Il se peut. Quel youtubeur t'inspire pour les vidéos? Alors, les youtubeurs qui m'inspirent beaucoup sont sans doute Wankill Studio. En plus, ils sont mes youtubeurs préférés. Bah, quelle coïncidence. Il y a Jolat et Guz. Surtout, alors, Guz, je parle pas de Guz Production. Je parle de Guz en lui-même. Le Guz. Guz, tu vois. Parce qu'il a fait des lives. En ce moment, il fait des streams Machinima où il fait... Machinima, c'est un long court-métrage sur un jeu vidéo. Et il fait ça et ça lui prend beaucoup de temps. Et ses lives, je les suis pratiquement tous. Tu vois le travail qu'il fait. Bon, c'est du Machinima, ça n'a aucun rapport... Enfin, si, un petit peu. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que je fais, on va dire. Ça m'inspire, c'est-à-dire que j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, faut que je travaille encore mieux les montages que maintenant. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Enfin, du moins, je vais essayer. J'ai essayé de travailler un maximum de montage avant de vous le mettre sur internet. Pourquoi Wankill? J'adore parce que eux ils diversifient à mort. C'est-à-dire qu'ils font un jeu chaque vidéo et la communauté les suit. Et c'est ça que je cherche à faire moi aussi. Et Jolat, tout simplement, ce qui me fait rire en fait. Jolat, c'est. Vous savez, sur quand il fait une vidéo, je regarde, je fais super sa vidéo. Du coup, ça m'inspire parfois, par exemple, s'il fait des jeux. En fait, il peut faire une vidéo sur tous les jeux. Pour moi, ça j'aurais envie de la regarder. Oui, il peut très bien faire une vidéo sur Minecraft. Je la regarderai, vous voyez, parce que voilà, on voit Jolat, on voit son comportement, il est. J'adore son comportement, il est énorme, il me fait beaucoup rire. Gros big up à toi, cochon. Un type de projet que tu rêves faire un jour? Alors, oui, il y en a deux, voire même trois peut-être. Le premier, ça serait de faire des urbex. Alors, s'il y en a qui sachent pas ce que c'est que des urbex, ce sont tout simplement des visites de lieux abandonnés. Alors, vous allez dire, bah du coup, ça chasse trois fois, je cherche des chauffons. Alors, non, car l'urbex, donc on va dans des endroits abandonnés pour. Non seulement pour son histoire, donc dans le passé par exemple, non, on va dans un bunker qui a servi à la Première Guerre mondiale. Moi perso, si j'y vais, c'est pour me dire putain et dire que là où je passe actuellement dans les catacombes, enfin dans le bunker, il y a un soldat qui a marché, il y a un soldat qui a tiré ici, etc. Il y a des impacts de balles, ouais, super. Mais malheureusement, c'est ça qu'en fait qui m'intéresse, c'est l'histoire du lieu et non pas genre voilà, je vais tout saccager. Non, moi je respecterai le lieu, enfin voilà. Mais malheureusement, l'urbex est illégal. Si un jour je décide de le faire, vous le saurez jamais. Parce que je réouvrirai une chaîne pour le faire. Et de deux, je me masquerai. Parce que c'est illégal, si on me retrouve, ça sera la merde. Je peux pas parce que je n'ai que ça. Hein, et c'est compliqué de faire des visites avec ça, surtout de nuit. Et surtout, je le ferai jamais seul parce que. Ah, ils font chier, hein. Jusqu'au bout, hein. Donc je ferai jamais des urbex. Ou des visites de lieux comme ça tout seul. De une, parce que déjà je me chierais dessus au moindre bruit. Et de deux, bah si jamais il m'arrive quelque chose, ou si jamais il y a des mecs qui veulent nous faire chier. C'est arrivé à un mec qui live sur Periscope. Il s'est fait agresser deux fois. Le mec, c'est un ouf. Je vous mettrai le lien, je vous mets là une annotation de la vidéo où le mec se fait, genre il arrive dans un endroit. Il y a des mecs qui sortent, il fait ah, bouge pas! Qu'est-ce que tu fais là? Pose tout par terre, pose tes trucs que t'as dans les mains par terre. Et le mec au début il croyait que c'était une blague, mais non. Et les mecs ils étaient en mode militaire et tout, et il est parti en courant, il a sauté par la fenêtre, il s'est moitié pété le poignet je crois. Il a couru, il a appelé les gendarmes, et puis voilà, et c'est ouf. Et c'est ça quoi, je veux pas qu'il m'arrive quoi, c'est horrible. Bref, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que les explications auront été claires et précises. J'espère que vous êtes pas trop déçus que j'arrête Gmod, il y en a que ça va décevoir beaucoup. Mais justement, si ça peut vous tourner vers un autre type de vidéo ou un autre type de youtubeur qui puisse vous faire rire, bah justement, ça peut être bénéfique pour vous. Sur ce, je vais vous laisser. Avant de vous quitter, j'ai un Snapchat depuis très longtemps. Donc, AftersGamer49, tout en minuscules. Moi, je vous laisse. J'espère que mes prochaines vidéos vous plairont. Mais je vais essayer de continuer à vous faire kiffer, à vous faire rire. Vos avis m'intéressent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis. C'était After, Peuf Bourguignon. Ciao.